Yo haricot. C'est un jeu de mots nul. Bravo. Enlève les 3 points de l'état, il veut peut-être pas gagner 3-0. J'avoue. 3-1 peut-être. C'est compliqué Bayou ici. Fais voir, attends, on en est où dans le bracket? Oh, winner quarters. Chouette. Il y a trop de trucs. C'est terrible. C'est ça, ils ont pris double Ganon. Contre Bayo et... Ah bah très bien. Et Little Mac. Et Little Mac. Bayo, c'est pas bien de faire des Bayo. Ah Little Mac. Il est où? Il est là. Donc, Weifuneta contre Yohariko. Yohariko, les favoris de ce tournoi. Le son est hyper fort ou c'est moi? J'ai l'impression de m'entendre très très fort. Donc... Non, mais... En fait, ils vont sortir leur technique de je lève mes bras en l'air pour gagner. Exactement, la fameuse technique du levage de bras en l'air. Technique évidemment privilégiée par les professionnels. On a vu Zero l'utiliser notamment. Donc c'est parti sur Smashville. Alors, dans l'absolu, le match-up il serait pour Bayonetta, mais c'est une Bayonetta nantaise. C'est Ita. Non mais voilà, donc double Ganon contre Little Mac Bayonetta, ça va être très dur à commenter. Ça va être problématique, il y en a une qui va être super fort en l'air, super fort au sol. Ça va être le bordel. En tout cas pour l'instant, Ita qui nous a fait un edge guard, un petit 0 to death là sur Satoshi Vanilla comme ça gratuit, ça fait non, toujours plaisir. Tandis que Patoche survit. Non, c'était... Non, c'est Xela, c'est Xela, oui, effectivement. Excusez-moi, les galons, vous savez, c'est un peu comme les... Je vais mais pas terminer cette phrase. Et Bayonetta vient de mourir comme un... Mais j'ai tourné la tête 5 secondes, hein. C'est pas souvent un truc en 2v2. C'est terrible, ça va être une torture à commenter, ces matchs de V2. Donc, c'est plutôt serré entre les deux, mine de rien. Patoche arrive à survivre. Il arrivait à survivre. Quand même, t'as... Moi j'ai la meilleure commentator's curse qui existe. Donc, nous avons eu un petit... Oh le counter du DR de Galadar. Je pars complètement en couille. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est plutôt serré. Là on a 4 stocks à 4 stocks. Petit avantage au niveau du pourcent. Par contre, Little Mac il revient pas là. Et oui. Bayonetta qui essaye un petit peu de carrer la gamme. Patoche fait ce qu'il peut, mais le problème c'est que là, Sato et Xela ils ont compris qu'il fallait focus Patoche. Donc ils se font plaisir. Et du coup, Patoche a beaucoup de mal à survivre. Et si en plus Ita il se prend des F-Smash, ça va pas aider. Hein. On va pas non, se ça mentir. Ah bah non, ça situation difficile. Oh non, ils attendent des choses. Ils en ont rien à foutre, les gars. Ils sont là pour le spectacle. Pour le pestacle, comme on dit. Alors Ita qui va tenter les petits. Ouais, non, Sato qui a très bien SDI. Ita qui essaie. Alors. Oh là 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 là. Et là, je sais exactement ce qu'ils veulent faire. Oh les putes. Oh, non oui, le double. Non, pas le double. Mais oh, ça aurait été si beau. Ita, alors là, là, si Ita il gagne pas. On espère qu'il va gagner en tout cas parce que. Là, il s'amuse avec la viande. C'était quand même magnifique. Là, il joue avec la ils essayent désespérément des. Oh là là. Ils sont chauds les deux. Nourriture les gens. Ils appuient sur des boutons hasard, ils en ont plus rien à faire. Oh là là, le petit qui a failli passer. C'est n'importe quoi. Et ben t'inquiète, dans une mauvaise situation. On joue pas avec la nourriture. Le Warlock Flex Reverse. Ita qui prend un kill. Ouais. Allez Ita, on y croit, on se bat. Allez Ita. Et oh non, le fer qui est trouvé de la part de Shio Hariko. Après avoir joué 5 minutes avec la viande. C'est ça. C'était des chats. On leur a donné un bout de viande, ils se mettent. On entend les bruits. On a l'impression que je me masturbe, c'est terrible.
Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ce soir un tournoi garanti 100% pur skill. Si d'habitude il y a du skill à nos tournois. Du skill à Nantes, c'est... la légende raconte que oui. Il y a eu un jour. Et pas de changement. Alors si, il y a un changement de skin, il y a le skin violet. Ah non, il était déjà violet. Non, il avait un autre. Non, il était déjà il avait pas le vert. Non, non, il était déjà violet. Ah bon? Bah c'est dommage, j'allais dire que le violet il est tellement en lex, c'est auto-lose, mais faut croire que non. Il est pas si violet que ça, non, il ressemble plus à Ganon de Carrier of Time. Tandis que. On se fait chier. C'est qui est plus vieux? Bah, à ton avis. Alors là, donc, on va avoir le même match. Let's go. Même match cette fois sur Battlefield. Est-ce que c'est un choix de terrain qui va plutôt... Normalement c'est un bon terrain pour Bayonetta, mais là on l'a vu. Et oh là là. Mais c'est... Ils vont chercher le disrespect. Mais c'est terrible. Laissez-le tranquille, c'est qu'un enfant, il joue Little Mac. Mais c'est pas vrai. Il a été kick plus Bayonetta. Et ça gimpe Bayo. Ça gimpe Bayo. Ce tournoi n'a pas de sens. Est-ce que Bayo pour les smash. Ce tournoi. Et là, est-ce que ce tournoi va finir sur YouTube? Oh là là. J'arrive même plus à commenter. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression de revenir en à la sortie du DLC finalement. C'est terrible ce qui se passe. C'est tellement mal. Oui. Oui non. C'est dommage. C'était bien fait. C'était tellement bien. Oh malheureusement, le dunflash qui est un peu trop lent. Itaki. Oh là là. C'est toi qui a pas perdu une stock. Oh oui, allez, allez, la stock. Non malheureusement. Oh oui. Oh non. J'aurais dansé à sa place. Ah mais il aurait pu totalement. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi? On ne comprend plus. Ah mais il reste du stock à Ita. Patoche pourrait voler. Patoche pourrait revenir. Non. Il aurait pu. C'est du passé. Ah non. C'est terrible. Heureusement Bayonetta s'en revient de là. Pile au moment où je dis Bayonetta ça peut revenir, bam, Ganon seed. Tu peux revenir, mais Ganon avait décidé non. Ganon va te caresser la gorge. Mais pas la gorge, il va te prendre ton booty, il va mettre ses mains dedans et... Exactement, complètement. C'est... En fait le micro est tellement sensible qu'on pourrait limite faire du double commentaire avec un seul micro. C'est terrible. Genre, je te jure, je fais ça, je m'entends parfaitement. Oh bah en plus on m'entend bien aussi. On m'entend bien, c'est terrible. Et d'ailleurs, au personnage avec du net, on a personne à citer Bayonetta la dernière fois à la Wasabi. Putain, oui. Ça aurait été tellement simple. Ouais, bah laisse tomber, c'est pas grave. Enfin, je m'en fous, moi j'en avais 14 milliards des personnages avec du net. Encore plein. Donc, tandis que le choix du terrain se fait. Tandis que revoilà la petite défaite. C'est une carte là, putain de merde. D'accord. Ah, vous avez laissé avec une seule carte. J'avais dit qu'il fallait changer. Bah tant pis, on verra après. Tandis que... Oh, ouais, c'est bien. Ah oui, il y a un problème de caméra. Du coup, vous ne voyez pas le quatrième joueur. On s'en fout, j'avoue. Les pavots. La gentillesse sur ce stream est absente. Donc, nous avons du skill en cascade. Ce n'est que plus ultra. Et tandis que Patoche a décidé de frapper Bayonetta. Ils ont décidé de jouer à la dame. Et oh là là, déjà le up smash. Et Sato, il souffle. Non, c'est Xela. Je sais plus. Je comprends pas. Le clear, c'est Xela. Mais... le vieux, c'est Xela. Mais les deux, ils ont des pseudos de whip là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le vieux, c'est Xela. Et le gros, c'est Sato. Le Gun Punch. Non. Mais le Spartak Kick. Le Spartak Kick qui bat le Gun Punch. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est... je crois que c'est une sorte de purgatoire. Ouais. C'est-à-dire que t'expies tes péchés en jouant en 2v2 contre double Ganon. Mais oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des coups dans tous les sens.
Alors là, la domination. Patoche, Patoche qui fait un kill. Patoche qui est le héros de ce match. Il a le cow punch. Est-ce qu'il va te placer? Est-ce oui. qu'on y croit? Ouais. Ça dit pas. On s'en fout. On s'en fout. Il a gagné. Arrêtez tout. Valeg a perdu pour le coup. Ah, dommage. Il a fait un kill avec le Et c'est parti pour les combos. En tout cas, c'est la domination en tout cas de Xela et Sato est absolument totale là. Hein. C'est. Ils vont faire... Est-ce qu'ils vont faire du ping-pong? Oui, 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 non. Alors on remarque la frame data de Gadon qui est parfaite. La frame data. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on commente là? Y'a une... Vas-y, niquez-vous quoi! Oh putain! On s'est bien amusé, dis donc! Bien joué!